essayer de soulever le toit, c'est toute maudite fête, encore en brochette, parce que j'ai peut-être dans le viseur de le mettre en brushless. C'est quand même pas mal le croisement de points. Et franchement, il se débrouille. Cette première et deuxième. Vous voyez la différence, c'est un peu. Ah, ça se voit, mais c'est pas non plus odieux. Allez. Je trouve qu'il y a une belle petite tronche de scale. Ah, faut juste. Peut-être que je redossisse encore un peu. Ah, elle était pas loin de réussir, hein. Boum. Les dangers du scale. Alors, on va essayer de la prendre une diagonale, là. Ah, c'est un tête. Les chouillas. On va se mettre en deuxième. L'autre, de toute façon, le Genate n'avait pas. On va remettre en première. On est quand même pas mal en croisement de pont, regarde. T'as vu le débattement, tout le débattement qu'il a? Ah, tu vois pas, là. Regarde. Pas mal, hein. Franchement, il se débrouille. Donc voilà, petit essai. Alors, profitez-en, si vous voulez, il est comme tout, c'est à vendre. À un prix correct, je trouve que ça fait, voilà, avec la... La Dumbo RCX4 là, la boîte de vitesse, les modifications bien sûr. Et si vous voulez tout de suite, eh ben, il n'y aura pas le brushless. Si vous voulez le brushless, ben, vous attendez. Ça sera un petit peu plus cher, mais ça sera un brushless 2000 kV. Tranquillou. À la place. Voilà. Donc, si vous voulez, après je suis peut-être pas. Là, je suis en train de me dire que finalement, il se débrouille pas mal. Donc mêlez-moi si vous êtes intéressé. Et puis, on se dit ça. A plus.